Alors j'ai fait le plein de munitions. Menu, versement. Je vois pas l'intérêt, si tu peux avoir accès à une banque quand tu veux. L'intérêt des distributeurs. Ouais. Même l'intérêt de déposer en banque. Pour le background. Au final, tu trouves de l'argent directement en banque avec ton téléphone, quoi. Ouais, y a pas ça. Des moments où t'es bloqué avec ton téléphone. Non. Genre, t'as toujours de la batterie, c'est pas comme vraiment un iPhone, quoi. Ouais, mais ça tombe énormément. Oui. Franchement, je suis bien fan de ma bagnole, non? Elle marche super bien. Elle tombe bien. Un peu lourd au démarrage, mais... plutôt fun. Ben. Ils m'ont fait délirer les commentateurs sur la vidéo. Ouais, après, c'est mon public qui a pas encore l'habitude de GTA. Ouais, je vois ça. Mais... il trouvera son public petit à petit, de toute façon, toujours en... Un principe de régularité. Là, c'était le numéro 4 qui est sorti, j'en suis au 8, donc ça va, il y a de la marge. Ouh, j'ai failli casser mon buggy là direct. Une musique complètement folle, je sais pas sur quoi je suis. Nostalgie. It's music and me. Ah non, c'est pas ça. C'est... Radio Fidélité. Non. Pourquoi ils l'ont mis? Ça, c'est les Français sur le serveur. Ah, j'ai vu ça. Alpha du 25. Comment on écrit dans le jeu? J'ai su le jour. Ah merde, Y, c'est équipe. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, merde. J'ai encore ton petit point dépassé là. Attends, j'arrive. Salut Notna. Bonjour l'ami. Ouh, elle ronronne ta... Je l'ai même pas abîmé. Elle ronronne. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'accélère, je freine en même temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on se fait avec ce l'ami? On se trouve une activité ou on se fait un petit run avant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, je regarde. On verra juste ce que toi le chef. Faire. Moi je tiens la caméra. J'ai rien à faire sur le jeu. C'est ça. Je suis en train de regarder les magasins là, il y a un magasin qui s'appelle Vêtements Discount. Genre c'est le Leader Price. C'est Tati. Vêt d'affaires quoi. Bon, on va la babou. Ah, il y a une école de pilotage et tout. Je fais des dessins sur la route. Je fais chier le monde. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Bah c'est le chef. Le chef du groupe. Oh merde, j'ai pété mon pneu. On peut-être faire une capture, t'en avais parlé hier. Bah oui, écoute. Moi ça m'arrange rien, j'ai pété mon pneu. En fait faut pas trop faire des burns, regarde. Pas faire trop des burns. Allez, vas-y, monte. Ça te pète le pneu. Oui, j'ai monté, j'ai... Ah, t'as fait un joli cercle. Oui, et du coup ça m'a fait griller mon pneu donc... Attends, je prends mon arme. Voilà, je pré-choisis mon arme. Donc une petite activité. Ou quoi? Cette activité... Ouais bah écoute, capture de drapeau ça me paraît pas mal. Allez. Hop, il me demande de faire un... T'as qu'à enlever la radio? Oui, c'est moi. YouTube, en auteur, tout ça. Ah merde, c'est vrai. Mais t'as déjà commencé? Ouais. Voilà, monsieur ne me prévient pas. Ah, et puis les petits mexicains, merde. Attends, je suis perdu là. Je sais pas ce qu'il me veut. Ah, c'est bon. Allez, c'est parti. T'en as une dégaine là. J'ai mis la vue à l'intérieur. C'est bien fait la vue interne là. Oh là. Oh, ça vomit. Ah mais j'arrive pas à jouer. T'as ton petit coca qui est collé qui est à l'intérieur du cockpit. Pourquoi tu peux mettre des dés, tu sais? Ça serait énorme. Genre c'est des petits dés en l'air et tout, tu sais. Genre le volant moumoute. Le petit chien coche la tête. Un truc horrible. Un truc trop kitsch. Ah, j'ai un truc à droite, je sais pas ce que c'est là, il y a une sorte de cible, je sais pas si tu la vois sur la map. Ouais, je vois, je crois que bah, c'est une activité fléchette. Oh, voilà. Voilà. Voilà quoi. Oui, c'est ça. Fuyez. C'est ça. Alors, attends. Voyons voir. Bah, moi je vais là où. Allez, on va essayer, ouais, c'est vraiment ce truc. Alors par contre, je pense qu'il faut que il n'y en ait qu'un seul de nous deux qui rentre et qu'un vite l'autre, ouais, parce qu'à chaque fois, on se va voir.
regardais pas la route. Oui, je sais pas. C'est ce que j'ai cru comprendre. Excusez-moi. Oula. On est à côté de chez toi, non? Ah bah oui, on est à côté de chez moi. Oui, je reconnais. Hein. On se fait une bière. Bon, j'ai vu qu'à partir d'un certain niveau, on peut faire des braquages. Oui, bah je suis déjà. J'ai déjà répondu des fois à des activités braquage. Et c'est vachement dur. Ah ouais? Ah ouais, c'est vachement dur. T'as le droit. C'est un peu à payer, non? C'est comment dire? Bah PD c'est plus un peu bourrin, tu rentres, tu te mets à 4, tu flingues et tu repars. Oh, tu peux faire en mode ouais aussi. En mode fifou aussi. Mais en mode je suis caché, tu là c'est avant de jouer, t'as un tableau qui explique qui fait quoi, donc t'en as un qui doit être pilote, t'en as un qui doit être, alors déjà moi je sais pas piloter. Enfin c'est des vraies missions quoi, hein. Ça commence à causer. Cause je t'emmerde. Non, je fais que constater, voyons. Ah, oui. Alors, bah, y a déjà du monde. Ah bah, invite. Alors, invité. Ma crew. Tous les joueurs de ma crew. Franchement, j'ai vraiment du mal avec leur interface. Oui. Parce vrai. Que genre, invité. Inotna. Invité dans les amis. Qui joue au jeu? C'est ça. Êtes-vous vraiment sûr? Appuyez sur entrée. Êtes-vous vraiment sûr? Tu t'es invité ou pas là? Oui, je suis en train de... Voilà. Alors, donc on va se faire, on va se faire le mode, comment s'appelle ce mode? Capture the bourse. Capture raid, c'est marqué. Et ça a été créé par une personne. Ah, des Evos. Bien. Ah, ça y est. Par Vivos. C'est comme Fifou. Oh, bon, on va être à 3 contre 2. Oh putain. Oh, ça va être triste. Oh, il est moche. Monsieur le balafré, quoi. Et t'as vu l'équipe en face? Matt. Quoi? Matt, l'équipe 2. À quoi elle ressemble? Oh merde. C'est chaud. Il a un sac à patates sur la tête, quoi. Mais c'est marrant. Alors, je disais donc, oui, c'est le mode raid. Voilà, mode raid, ça s'appelle. Et donc, c'est un système de capture de drapeau, donc on va capturer la petite mallette pleine de... Ah, j'ai déjà fait en plus cette map, c'est la seule que j'ai faite. C'est tout simple. Mais c'est beau, hein. Tu sais à quoi ça fait penser? Ça donc, fait penser au map CF. C'est ça, ouais. Les entraînements des armes, là. Ouais, ah, c'est ça, voilà. Les AIM. Donc on a un petit sac, là, à notre base, et eux, ils ont le même. Il faut aller à leur carotte. Bon, ça a été un peu plus technique, parce que la dernière fois que je l'ai fait, on était à 10 contre 10. Et en hauteur, ouais, je vois. Et ça marche ou pas les tirs dans la tête? Oui, oui, ça fait plus de dégâts. j'ai pris une balle. Ah oui, c'est toi qui t'es écroulé comme un vieux ragdoll. Comme une merde, oui. D'ailleurs, je crois que je saigne un peu du nez. Tu sais qu'avant de partir, ça serait bien, parce que je vois qu'au-dessus, il y a des... Il y a des sortes de... Comment dire, des armures. Oui. Juste au départ, et je pense que c'est intéressant d'en prendre. J'ai les pare-balles. Voilà, j'ai les pare-balles, merci, j'ai trouvé plus le mot. Ah oui, le headshot ça marche. J'ai fait un. Direct un. Ouh, le fifou. Ah oui, c'est ça le fifou. Bon, j'ai le sac en visu. Inotna, tu as le sac en visu. J'ai le sac. Oui. Casa le sac. Casa le sac. Casa le sac. Yeah, vas-y, qu'est-ce qu'il y a, bonhomme? Moi j'ai posé le sac, t'as vu? On a un bon avec nous. Tu vas livrer un sac. Oui, il y a quelqu'un à la base. Il est méchant, hein. Oh, le méchant. Putain, vas-y, qu'est-ce. Faut que j'arrête d'être trop pour bon. Simple, en fait. Faut que j'arrête d'être trop bon. Alors en bas à droite, t'as les stats, les scores. Hein. Équipe 2, équipe 1. Ouh. Ah, notre copain a le sac. Faut dire un 2 contre 3, c'est pas ouais, très, c'est un peu... très équitable. Mais bon, ça fait penser que t'es bon en fait. C'est ça. C'est marrant cette map parce que c'est vraiment c'est petit et ça fait vraiment penser, comme je te disais. Ah, my god, je sais, pas une meuf d'entraînement quoi. Oui, bah c'est pas mal. Ça change un peu. Là, j'ai pas fait non plus beaucoup de maps. Notre pote s'est fait déglinguer. Ouais, il est à droite. Moi, je monte sur le truc, moi, je serai dingue. Oh oui! Prochain sac! Comment on fait pour être. Ah voilà, c'est la vue des premières personnes. Hop là! Je suis beaucoup plus. Oh putain! Le salaud! Voilà, je suis beaucoup mieux en vue. Tiens, y'a le sac juste devant toi. Ah oui, tu trouves que la première personne c'est mieux? Ouais, je préfère. Mais en fait, c'est le FOV. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un mode pour ça. Le FOV, pour rappel, c'est. Même pour information. En fait, il y a une sorte de.
Ça permet de voir plus ou moins large autour de soi. Ouais, plus ou moins large. Et du coup, je sais qu'il y a un mode qui permet d'agrandir un peu cette, cette vision. Parce que là, je trouve que c'est un peu trop étriqué. Mmh. Ouais. J'ai fait le tour, je suis un fifou. C'est bon, je l'ai. Il vient le sac. Il va ramener le sac. Oh là 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 là. Ah, ils sont un petit peu ramassés, les pauvres. Bah, ils sont que deux, ouais. Ils sont que deux, ils sont mauvais. Oh, oh putain, le double headshot. Oh, je lui ai mis une tête. Ah, c'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est marqué à gauche, c'est moi. Oui, c'est moi. Je suis pas sûr à 100%. Si, c'est marqué à gauche. Ouais, c'est marqué, c'est marqué. Ah, là, c'est dommage qu'on n'était pas assez. Un peu plus nombreux, donc on va. Au moins, ça nous laisse l'occasion de pouvoir expliquer vraiment et de voir comment fonctionne le mode. Hein. C'est tout simple, hein. C'est vraiment du capture de flag. Donc, on va passer à la vitesse supérieure parce que il me fait un peu de mal, les pauvres. Et toi, ce que j'ai mis aussi, c'est le fait que là, on peut utiliser. Enfin, on veut vraiment tout configurer. C'est-à-dire que là, on a la partie a été configurée, genre juste les pistolets. Oui. T'as pas mal de petits trucs comme ça qui te permettent de vraiment personnaliser les sa game. Pistolets, et un truc un peu particulier. C'est ça, tu peux choisir les armes, soit les armes imposées par la carte, soit les armes, ce que j'aime bien aussi, c'est les armes possédées par le joueur. Donc le joueur qui vient de débuter, qui n'a aucune arme, qui lui a juste une matraque, bah, il est un peu niqué. Et ça, c'est sympa. Dans tous les sens, t'as toujours une arme au sol. Oui, t'as toujours des. C'est configuré. Il me semble que c'est configuré l'arme au sol. Hein. C'est possible. Je trouve qu'il a gâché un peu facile, mon joueur. Allez mon fifou. Il vient de tomber comme une merde. Ouais, j'aime bien la physique des corps sur ce jeu. Ah par contre ils prennent méchant. Ah c'est un solo, il m'a ninja. Mmh. Les... Mais non j'ai pas ninja, oh, là, là, tout de suite, des grands mots. Non, allez, plus qu'un. Et on finit. Ah ok, ouais. Sans bas droite, j'avais ouais, sans bas droite. Je l'ai dit en plus tout à l'heure, je suis désolé. Parce que là les pauvres... C'est leur rendre service que de finir rapidement. Hein. Oh là. Pourquoi il clignote le monsieur? Parce qu'il vient de repop donc tu peux pas le... Prends pas de dégâts. Ah il a compris la technique, oh. Non il a pas... Si il a compris. Bien, prends ça dans tes dents. Ça marche la barre dans le dos? Ça marche bien. J'ai bien la barre dans le dos. Allez. Bon. C'était pas la partie la plus... C'est fini? Ouais. Moi c'était pas folichon. Non, il manque un peu de monde. Mais oh, ça a permis de gagner quand même. 8000. Il va l'avoir son garage. Oh, il est pas beau mais Scarface. C'est 25 000 c'est ça? Ouais, 25 000 le premier.